sais pas s'il a été bien entendu, puisque dès la reprise de la deuxième mi-temps, on prend ce troisième qui nous fait mal. Et il me semblait avoir insisté justement sur la vigilance de Popineau et sur les prises de profondeur. J'ai pas dû être entendu comme il le fallait. Après, c'est vrai qu'on s'est créé beaucoup de situations sur la deuxième. Et je regrette qu'au nombre d'occasions, on n'arrive pas justement à revenir au score, même en étant mené à 3-1. Ce qui nous a manqué surtout, c'est cette justesse dans la dernière passe, dans le dernier centre, dans le dernier geste. Voilà. C'est une justesse technique qui fait qu'on doit mieux finir. Après, je ne remets pas tout non plus sur les offensifs, hein, parce que je disais tout à l'heure, s'il faut qu'on marque 3, 4, 5 buts pour gagner un match, ça sera compliqué. On a été aussi assez inefficace sur le plan défensif. Pour prendre 3 buts à domicile, c'est pas, quelque part, c'est pas normal. Je pense qu'on a très bien abordé le match avec 3 occasions très nettes, où là, leur gardien les a maintenues. Après, c'est vrai qu'on prend ce but sur coup de pied arrêté, qui aurait pu nous fragiliser, mais le fait d'avoir eu ces occasions au début ne nous a pas trop perturbés, et je pense qu'on est revenu logiquement. Et après, on a su encore jouer pour essayer de marquer ce deuxième jusqu'en la mi-temps, qui nous a fait beaucoup de bien et qui leur a mis, je pense, un petit coup derrière la tête. On ne peut pas fixer d'objectif en coupe dans la mesure où on est tributaire du tirage. On va attendre le tirage. On va surtout bien récupérer, on va surtout profiter parce que gagner à Romorantin, c'est pas facile, c'est un véritable exploit. Cette équipe a une bonne équipe de CFA qui a de l'expérience. Donc venir gagner 3-2 à l'extérieur, c'est pour moi un très bon résultat. Après la coupe, ben, on verra, on va profiter déjà. Et puis déjà on est fiers d'être le dernier représentant du Loir-et-Cher.